Yeah!
C'est fait. Retour à la voiture. Accrochez-vous! La route est bloquée! La plateforme! Levez vite la plateforme! Vous visez bien pour votre âge. Aston!
Bien, il faut faire monter la plateforme. Au travail. La route est dangereuse. Il y a des gaziers. Tuez-les tous. On attend ici. Thank you.
Box, Kommandant! Approchez-vous! Il est temps de partir d'ici! Un robot!
monter. On va rater le train. Den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut, lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Oder wenn? Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise.
sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. William? Oui. C'est pour moi? Oui. Il y a Carly dans la cabine. Oui. Ça vous gêne de le partager? Anniversaire. Parfois le chaos, la souffrance, la mort. Parfois on a besoin de ressentir quelque chose d'agréable. Je sais où aller. Je sais comment accéder à la prison. Il y a un hôtel dans la même rue que le siège de la police secrète. Tout le monde est au courant. Le siège de la police secrète est connu à Berlin. C'est là que les prisonniers sont interrogés et torturés. Ensuite, ils sont reconduits à la prison. S'ils respirent encore. Il se passe quelque chose. Il y a un fourgon de la prison qui arrive. Viens vite! Ils viennent pour les détenus. Trouve un moyen de grimper sur le toit du fourgon. Cache-toi là-haut, et ils conduiront tout droit à la prison d'Eisenwald. Je vais aller distraire le garde. J'espère qu'il verra rien. C'est vrai ce qu'on dit des nazis. Il ne manque pas d'orgueil. Jeder von Ihnen hat...
mystérieuse gadget, mais inutile sans batterie. Plus de batterie. Je dois recharger. Ich ramm dich in den Boden! Anstand auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Dreck!
Auftrag. Sie sind eine Schande für die ganze Operation. Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Schichtwechsel, wir sind spät dran. Eine Minute. Genau eine Minute, Hans. Da müssen wir aber los. Nach rechts. Geh du da. Komm schon. Vorwärts. Sau, du Dreckige, du komm vorwärts. Zeig dir was. Faule Drecksau. Komm. Komm. Raus. Schnell vorwärts. Zeig dir was, du. Komm schon. Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Noch 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Acier, pierre, béton sur des kilomètres. Est-ce qu'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé? Désolation, tyrannie, un ennemi redoutable. Je me demande s'il me reste des amis vivants. Vas-y! C'est l'heure de vérité. Il va falloir se battre. Je vous fais une promesse. Je l'ai là. Mes amis. Si c'est ici qu'ils vous retiennent, je vous trouverai. Et je vous libérerai. Embrassez mort. Il vaut mieux se déplacer sur le toit et rester hors de vue. Et de portée aussi. Thank you.
Gefangenen, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht.
Got it.
Club B. Ose que le début doit se trouver quelque part par là. Regardez-moi ça, moi qui me préparais à faire mes prières, et voilà que t'arrives de nulle part pour massacrer les nazis à tour de bras, mon salopard. Alors, qu'est-ce que tu fabriquais, Blazkowicz, hein? Rien, j'ai seulement tué du nazi. On va régler nos comptes, Fergus. Bon, on n'a plus qu'à se tirer d'ici, en zigouillant tous les boches qui se mettront sur notre chemin. Hé hey. Hey. Faites gaffe à la porte! Beau travail, Blazkowicz. Allez, faut qu'on foute le camp maintenant. Grouille-toi!
faut deux hommes pour actionner ce verrou. On doit appuyer sur ces boutons en même temps. À mon signal, appuie sur celui-là. Prêt ? 3, 2, 1, maintenant ! Et merde ! Et voilà ! Parvenu à partir d'ici entier. Saloperie de Potsdam. Couvrez-moi, j'ouvre la porte.
ouvre la porte! Vorsicht, Granate! Ah! 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 Ah
moment de se barrer, bordel de merde! Zurück!
Richet! C'est le moment de se barrer, bordel de merde! En route! Vite! Monte les escaliers! Et merde! Fonce droit dans la tête! Futé, fidèle, tenace. Coupe la grille! Ça marche plus. Bon, on passera pas par là. Je croyais pas que tu t'en sortirais. L'un de vous sait démarrer une voiture avec les fils ? Des espions dans toute la ville pour nous surveiller. S'il faisait nuit, on aurait plus d'options. Pas facile de pénétrer dans le QG de la Résistance en plein jour. D'ailleurs, personne s'y est jamais risqué. Mais le ciel est dégagé, on a de la chance. Oh, et puis je préfère mourir à l'air libre que dans cette prison. Bien, soyez attentifs, ça va jouer en deux temps. D'abord, il va falloir qu'on se faufile pile dans l'angle mort. Vous êtes en position ? Allez, foncez, foncez ! Tant qu'on reste dans le brouillard, personne ne nous voit. Maintenant, on passe à la seconde étape. Le grand plongeon. N'hésitez pas, lancez-vous. Dès que vous êtes dans l'eau, retenez votre respiration et suivez-moi. Quoi qu'il arrive, vous devez rester sous l'eau. Si vous remontez, on est mort. Il y a des nazis partout ici. Ne réfléchissez pas. Sautez! Tes bras, je suis gelé. Maxence ! Tu m'as manqué aussi ! Repose-le, Max, en douceur. Non, capitaine ! Laissez-le. C'est Klaus, il est avec nous. C'est un ancien nazi, mais il a déserté. Tout doux, le Yankee ! Comment c'est possible ? On est en plein cœur de Berlin et vous cherchez à peine à vous cacher, je comprends pas.
Ils ne viendront pas chercher ici. Mais ils peuvent entendre. Pas si on parle à voix basse, hein. Tiens donc, BJ Blazkowicz. Il n'y a bien que toi pour oser débarquer ici en plein jour. Madame. Ravi de te revoir, Fergus. Tu es donc en vie, Caroline. En vie, mais obligée de chier dans un putain de sac. J'ai 3 vertèbres qui ont été pulvérisées. Et toi ? Trauma crânien, shrapnel de 10 cm dans la tête. Y est toujours. Le côlon sectionné, choc septique, et le pelvis en miettes. Amnésie aiguë, flashback et 14 ans chez les fous. Je suis contente de te voir, William. Et vous ? Qui êtes-vous donc ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ravi de te voir aussi, Tecla. Tout le monde te croyait mort, Fergus Reed. Tu as disparu depuis 3 mois. Encore une anomalie. Personne ne revient jamais d'Eisenwald. Et vous ? Revenu d'entre les morts ? J'ai entendu des histoires sur vous. On m'a dit que vous étiez mort en 46. Mais ça aussi, c'était faux. Vous, je ne sais même pas qui vous êtes. Drôle de variable. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'était pas prévu. Il va falloir que je revoie tout mon modèle. Merci infiniment ! J'ai entendu des rumeurs intéressantes venant de Londres. J'ai un dossier nommé Projet Murmure, mais quelqu'un l'a emprunté. Klaus, il me semble. Peux-tu le trouver et me le rapporter, William ? Maintenant que tu es là, je crois qu'on va pouvoir accomplir de grandes choses. Asseyez-vous avec moi, Frau Anya. Je vous charge d'écouter ces fréquences. Si quelque chose vient de Londres, notez l'heure et un maximum de renseignements. Voici un stylo et une feuille. Je peux le faire à la machine ? Vous savez vous en servir ? Oui. Mais mes parents m'ont appris. Ah, pour noter ce qu'on vous dictait. Des ordonnances, par exemple. Pas vraiment. Ça m'a bien servi quand j'étais à l'université de Londres, pour mon doctorat en archéologie. Quand le Blitz a eu lieu, j'ai dû rentrer chez moi. Je n'avais que 16 ans. Eh bien, professeur. Parfait. Aidez-moi à découvrir ce que trafiquent ces foutus nazis. S'il vous plaît.